Voilà, alors aujourd'hui les frères et sœurs, je fais simplement une vidéo rapide, totalement hors sujet avec les vidéos que je fais habituellement, parce qu'elle n'est pas pour vous, mais elle est à destination d'un frère sur YouTube dont le pseudo est Pour le Seigneur et ses messagers. Donc voilà, c'est pour lui. Donc ne faites pas attention, c'est vraiment une vidéo pour lui uniquement, qui me soupçonnait d'avoir supprimé certains de ses commentaires YouTube, alors qu'en réalité, après une discussion, il s'avérait qu'ils étaient simplement soumis à examen dans mon compte. Comme j'ai précisé que la raison, selon YouTube, non selon moi, bien sûr, non selon moi, était qu'il comportait des termes grossiers, cela a d'autant plus surpris le frère qui me demande qu'avoir des preuves. Comme preuve de ma bonne foi, vu qu'il ne me faisait pas trop confiance, il m'a demandé de faire une courte vidéo prouvant qu'ils sont bien mis en spam et que YouTube les a bien mis sur surveillance sous le prétexte de termes grossiers. Donc voilà, là c'est la discussion qu'on a eue ensemble. Donc si vous voulez la regarder, n'hésitez pas, elle est là, disponible. Je vais, si on va sur mon compte et à la page que j'ai retrouvée au sujet des commentaires invisibles en public, on peut bien voir que les trois commentaires dont Pour le Seigneur et ses messagers parlent sont bien mis de côté par YouTube et donc pas du tout par moi. D'accord? Ils sont bien mis à soumis à examen ici, donc c'est pas moi qui les ai mis là, c'est YouTube. Et que si on regarde bien la raison pour laquelle ça a été mis là, c'est que officiellement, pour YouTube en tout cas, pas pour moi bien évidemment, la raison est que ces messages contiendraient des termes grossiers. Alors, idem pour ta vidéo qui a été mise de côté également pour termes grossiers, comme tu peux le voir. Donc voilà, maintenant, mon frère, j'espère que tu auras vraiment la politesse de t'excuser. Et je te dis d'avance merci si tu le fais, puisque tu le dis toi-même. Je peux te demander de faire une vidéo des messages de YouTube pour être certain, après je n'aurai rien à dire. Ou encore, je te promets de m'excuser quand j'aurai les évidences en face de moi. Donc voilà, tu as les évidences en face de toi. J'espère te revoir bientôt et à la prochaine, frères et sœurs, pour d'autres vidéos. Je reviendrai bientôt. Bonne année à tous.